un départ éveillé pour cette quatrième épreuve, prix de l'association des jockeys avec Alfred Madamé, joker des Vallons, qui est parti en tête, suivi de Clogan Fertécole et suivi de Brune Rossignol. Calio Cessolinière Fouchard est en train d'essayer de prendre la tête du peloton. Alfred Madamé est toujours en tête, donc à la fin de ce premier tournant, Calios et Clogan Fertécole dans cet ordre. Clogan Fertécole qui perd un petit peu de terrain. Alfred Madamé toujours en tête quand ils abordent la ligne opposée. Calios suivi de Clogan Fertécole qui est en train de se faire distancer. Il est maintenant à une dizaine de longueurs des deux premiers. Alfred Madamé, Calios, Clogan Fertécole dans cet ordre. Alfred Madamé, joker des Vallons qui continue d'accélérer. Calios aussi, alors que Clogan Fertécole lui perd de plus en plus de terrain. Voilà, joker des Vallons, Calios qui essaye de remonter, de déborder au milieu de ce tournant final. Joker des Vallons, Alfred Madamé qui essaye de lui résister. Ils abordent maintenant presque côte à côte la ligne droite des tribunes. Ils sortent du tournant pendant qu'Alfred de Madamé actionne son jockey. Calios et Solinière Fouchard continuent. Ils sont tous les deux coude à coude. Alfred Soline, Calios, joker de Vallon, ils sont tous les deux en train de se disputer, de se partager cette victoire. Alfred, Calios qui va sûrement s'imposer à la fin d'un mai photographique.